Déjame entrar, mi negra. Rico. Ah. Allez, bien, de retour de ce superbe sommaire. Alors, vous imaginez bien que j'ai qu'une hâte, c'est d'aller pratiquer toutes ces pêches exotiques en compagnie de Pascal sur ce superbe bateau. C'est très tôt le matin, Pascal. Ouais, le soleil s'est levé à 5h, il est 5h30, nickel. Aujourd'hui, on va naviguer sur ce bateau. Ouais. Et pour tout le séjour d'ailleurs, hein, en compagnie d'un équipage. Alors, que tu vas nous présenter. Jerry. Hein, qui est notre adjudante, hein. Donc il s'occupe, il fait nos montages là. D'accord. Et puis alors le Irving, Irving. Hein, le skipper, notre skipper là pendant tout le voyage, super skipper, meilleur du Costa Rica, et avec lui et puis l'équipe qu'on est là, on va prendre du poisson, pas de problème. Pascal, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre aujourd'hui du bord, puisqu'on est sur un sujet côtier? Alors aujourd'hui, on va attaquer par le poisson coq. C'est le poisson mythique du Costa Rica. C'est le poisson emblématique du Costa Rica. On vient au Costa Rica pour prendre du poisson coq. Alors moi, je vais te dire un truc. Je crois que si je prends un poisson coq, je verserai peut-être une larmichette tellement je serai ému. J'en suis sûr de ça. J'en rêve depuis des années. Eh bien, écoute, tu peux te préparer. On pleurera ensemble, Pascal. Oh, ouais, on pleurera ensemble. Il n'y a pas de souci. Alors, poisson coq, tu alors, me poisson dis. Coq. Alors, poisson coq. Il y a des petits et il y a des gros. D'accord. Hein, on va essayer de viser les gros. Bien sûr. Hein. Un de petits pour s'échauffer et voilà, les gros derrière. Tout à fait. Alors après, ce qu'on peut prendre, deuxième poisson mythique ici, c'est la grosse carpe rouge. Ouais. Hein? Mais alors ça, c'est une brute. Gros poisson. On va en toucher. Gros poisson, violent, autant qu'une grosse carangue. On va en toucher. Un boxeur, mais on va en toucher, mais je ne sais pas si on va les prendre. D'accord. Hein? Parce que là, il faut assurer. Là. Hein? Après. Voilà. Donc ça, carpe rouge. Alors après, il y a d'autres espèces. Il y a des carangues. D'accord. Pas très grosses, 10, 15 kilos. C'est déjà raisonnable. C'est raisonnable. Il y a les orphies crocodiles, mais ouais. C'est pas les petites orphies de chez nous, tu sais. Les orphies crocodiles, c'est... Des orphinaces, le truc. Des dents, vous allez voir. Alors après, il y a des tasards, hein, des petits tasards syrah. C'est une variété locale. Locale. Et puis alors après, dans les carpes rouges, je t'ai parlé de la grosse, la Kubera. Hein. Mais il y en a toute une variété, des roses, des jaunes, avec des traits. On va prendre plein les mirettes. Après, on ne sait pas ce qu'on va prendre. Voilà. C'est top. Alors ça, ce sera surtout, on pêchera au popper et avec des vifs. Avec des vifs. Si, on va aller aussi sur quelques pierres pour pêcher plus profond. Hein. Sur les pierres, on peut prendre des sérioles. D'accord. On peut prendre des merubrumtels. Et puis, tout ce qui peut s'accrocher à un hameçon. Voilà, on le prendra. Allez, moi je te propose, Pascal, on y va. Et je vous propose à tous, bien sûr, d'aller mettre en pratique tout ça, d'aller pêcher les vifs. Alors, de suite. Hein. Voilà, il faut commencer par les vifs. On perd pas de temps, on y va, parce que on y moi va. Je suis impatient, je te dis. Allez, on y va. On y va. Allez, c'est parti. Eres una rosa que renace bella en la montaña. Déjame vivir contigo cosas bellas de la vida. Eres mi ilusión que me desvela en las madrugadas. Mi mejor motivo eres tú, mi vida. ¡Eva! Déjame entrar. Te llena tu corazón, mi vida. Déjame tu amor. Cosita linda de mis recuerdos. Soy para ti. Nadie me cambiará los sueños. Te quiero así. Cuando estás alegre todo es bueno. Bon Pascal, on n'a pas été bien loin, on a fait à peine 200 mètres, on se pose à côté de ce bateau. Eh oui. C'est là qu'on va pêcher les appâts. Mais pourquoi on vient là? Eh bien tu vas me l'expliquer. Eh bien parce que là le bateau, il attire les sardines elles sont sous le bateau. Ah d'accord, elles viennent se mettre à l'abri. Elles se mettent à l'abri. Donc là on va descendre nos lignes, alors regarde, tu vois comment les lignes. Comment c'est fait ça? C'est des hameçons, blancs. Il n'y a pas d'appât, il n'y a rien. Il n'y a pas d'appât, un plomb au bout, on descend au fond. On ordine deux coups et hop, on en remonte le plus possible. Allez, on y va. Il nous en faut une cinquantaine, une centaine. Allez. On y va. Allez, oui, on y va, on y va. Allez. Hop. C'est descendu. Il faut que ça touche le fond. Ça touche le fond. Il n'y a pas beaucoup de fond. Elles sont pas là.
faut qu'on les trouve. Ah, c'est pour ça qu'ils déplacent le bateau ? Eh oui. Pour arriver. Ah ben, quand elles sont là, t'es pendu immédiatement. D'accord. Elles sont pas là. Et elles sont là-haut. Elles sont là-haut. T'es on y est dedans là, regarde. Hop, tiens, regarde. Ça y est, c'est pendu. T'en as une brochette ? Je sais pas, mais. Ouais, il y en a une petite brochette. Regarde, 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 hop. Ah, ben voilà, trois de coups. Ouais. C'est bon, ça ? Joli. Qu'est-ce que c'est comme poisson, ça ? C'est des sardines. Des sardines ? C'est des sardines locales. Des sardines locales. Voilà, il a fait mieux, là. Il en a six. C'est mieux. Alors, attends, je vais aller les amener au guide, là-bas. Regardez ça. C'est avec ça que se joue le poisson-coq aujourd'hui, au dire de notre ami Pascal. Oh, tu vas voir, tu vas voir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Dès que tu tombes dans le vent, ah dans ben le banc, voilà, en fait, mais brrr, le problème c'est que le banc il bouge. Et dès que le banc bouge, ah ben c'est terminé, c'est tout c'est, ou rien. C'est plus compliqué. Ce qui est fabuleux, c'est que tu as vu, hein, c'est 6h du matin, on a un short en t-shirt, il fait déjà très chaud, c'est un vrai bonheur. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est ce vent là, il n'y en a pas. Et il n'y a jamais de vent. Ici, à Golfito, il n'y a jamais de vent. Tu sais pourquoi ? Derrière, il y a la montagne. D'accord. Plus, presque 4000 mètres d'altitude et coupe les vents. Il n'y a jamais de vent ici. Ici, on ne regarde pas le... On sort tous les jours pêcher. On sort tous les jours. De toute manière, on sort tous les jours. Quel que soit le temps. Voilà, on peut prendre la pluie. C'est pas en ce moment, on est en saison sèche. Mais il n'y a jamais, jamais de vent. Ça, c'est quand même très confortable. Parce qu'on sait que de toute manière, quand on réserve son séjour, eh bien, on va pouvoir aller à la pêche tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas deux, trois jours qui seront très ventés, très houleux. Et même si jamais il y avait un peu de houle au large, on arrive à pêcher là encore les poissons coq et comme... Aucun problème, jamais, jamais de problème. C'est fabuleux. Ah tiens, moi aussi j'en ai. Je suis pendu aussi. Ouh, là je sais pas si j'en ai pas une jolie brochette. Hein. Ah, allez, ah, tu fais le plein bien, là. J'aimerais bien faire le full. Le full. Ah. Ça a l'air ah de... non, il y en a que 4. J'en ai perdu 2. Regarde, regardez qu'elle est en train de mordre là, regardez-les comme ça tire, regardez, j'essaye d'en prendre un paquet. T'as allez, vu, allez, 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 yes. Là, il y en a. Attention. Ouais. Elle bouge vite, ces sardines, ah oui. Pascal. Ah, très, très vite. C'est pour ça, faut suivre les bancs. Regardez, là-haut, ça tourne. Et alors, tu vois, quand elles sont comme ça, on voit pas de chasse là. Et à des fois, tu pêches à sardines, et d'un seul coup, ça se met à chasser. C'est les coques qui viennent. C'est les coques. C'est pour ça qu'on a préparé les cannes là tout à l'heure. Bien avant. Hein. Les poppers sont prêts. Si ça commence à chasser, et des fois même les coques ils viennent manger les sardines au bout de nos lignes. Là, il n'y a pas de chasse. Ah, je crois que Eric Antiel là-bas. Allez, petite sardine. Tu vas voir tout à l'heure le gros coq, le bisou qu'il va te faire. Allez. Oh, là j'en ai une ficelle là. Tiens. Il y en a deux. Oh, elles sont trois. Hop. Trois par trois. C'est les sardines du Pacifique, Pascal. Oui, tout à fait. Elles sont vraiment différentes des nôtres. Voilà, elles sont beaucoup plus larges, regarde. Ouais. Elles sont une belle couleur. Elles sont superbes. Elles sont très, très résistantes. Ouais, elles sont superbes. Elles ont presque une bouche de tarpon, on dit. Hein, c'est bizarre, hein. Un baby. Si. ¡Gracias!
Allez, on a pêché nos sardines, on va se mettre en pêche. Pascal, explique-nous les montages qu'ont réalisé Jerry et Arvin. Et surtout, explique-nous la zone sur laquelle on va se mettre à pêcher. Alors déjà, où on va pêcher? Regarde autour de nous, pourquoi on est là? Regarde, c'est la mer. Ici, là, il y a 20 mètres d'eau et en dessous, il y a une roche. Il n'y a pas une grande hauteur d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y a une roche. Et c'est une roche où il y a des gaz qui s'échappent. Oui, c'est ce qu'expliquait Arvin tout à l'heure. Il y a des bulles. Hein, et là, cette roche-là, elle attire tous les poissons. Il y a carpe rouge, coque, carangue. Tout ce qui nous intéresse, c'est tout ce qu'on est venu chercher au Costa Rica. Alors, ce que nous expliquait Arvin là, c'est qu'il y a des remontées de gaz de volcan. Hein, c'est ça, Arvin. Oui, hein, des remontées de gaz de volcan qui font ces petites bulles, qui attirent les petits poissons et qui attirent les prédateurs derrière et qui attirent, bien sûr, les pêcheurs et l'équipe de Côté Pêche sur le terrain. C'est fabuleux. Et on va commencer à les chercher au fond avec ce montage. Donc, au toc, en fait. Au toc, hein, c'est. Hein, d'accord. Donc, on a mis une tête de ligne. Ouais, hein, de combien de mètres? 6 mètres de 80 centièmes, à peu près. Un petit plomb, hein, pas trop gros. Le bas de ligne. Oui, pas trop gros, puisqu'il n'y a pas beaucoup de fond. Voilà. Et un petit hameçon circle. Un circle. Alors, on met les poissons à l'eau. Vas-y, Jerry. Allez, à la pêche. Alors, vous voyez, il le plante dans le nez. Il le fait ressortir dans la partie dure. Allez, qui la prend? Et c'est parti. Tu la prends, Yannick? Allez, je la prends. Je laisse le pick-up ouvert. Oui. Et je laisse descendre au fond. C'est parti. Et le troisième? Le vif descend. Eric? Ça y est, je suis au fond. Donc on a monté 4 cannes. On a 2 cannes là avec un plomb qui pêche à gratter le fond. Tiens, je sens le fond gratter là. D'accord. Hein, s'il y a des poissons en profondeur. Et toi, donc, tu n'as pas mis le plomb. Tout à fait. Et tu laisses filer avec le poisson. Ouais, en fait, les consignes de Irvin, c'est 2 sans plomb, 2 avec plomb. Et Eric a choisi de lancer aussi un plomb au fond de l'eau. Et il y a Flo qui est devant le bateau là-bas et qui pop lui. Parfait, parfait. Et là, en fait, on balade nos vifs. Voilà, il faut bien les sentir au doigt, le pick-up ouvert. Hein, et dès qu'on sent l'attaque, on libère. On compte jusqu'à 5, on ferme le pick-up et on remonte la canne. Pour que le circle vienne se mettre ici dans le coin de la, ouais, de la gueule. On le rappelle encore une fois, le circle hook, hein, ces hameçons sont un peu particuliers où il ne faut pas ferrer la touche, hein, faut laisser le poisson peser sur la ligne et il se ferre tout seul, il se retourne dans la bouche du poisson et ça permet de toujours le piquer juste au bord des lèvres en fait, on ne les abîme jamais. Voilà. Et ça permet une relâche propre. Voilà. Donc là, ben je pense que là, toi, tu pêches plutôt le coq. Tu as plus de chances de toucher des coqs. Mais c'est pour ça que j'ai préféré me mettre à une surface. Et nous, on pêche plutôt le pargo en dessous. Je rêve d'attraper un coq. Ben moi, coq, pargo, toi, tout carangue. Toi, tout te va tout bien. Tout me va bien. Ah! Allez, c'est parti! Yes! Caranga. C'est une caranga, Pascal, tu crois? Petit poisson. Ah oui, petit poisson. Petit poisson. Il prend à peine 20 mètres de fil au premier départ. Petit poisson. Allez, joli, Pascal. Allez! Yes. Ah! C'est bon, ça. Ah, hein, c'est bon! C'est quoi, hein, comme poisson? Une caranga, t'es sûr? Non, sûr, c'est sûr. Pas un coq, en tout cas. Attends, tu vois, ça vient passer direct. Vas-y. Ben je dirais petite carpe rouge. Allez, les paris sont lancés. Je dirais petite carpe rouge. Ça aussi, c'est un des avantages d'être ici, c'est la surprise du poisson. Eh ben regarde, je m'étais pas trompé. Ouais, petite carpe rouge. Waouh, superbe. Superbe poisson. Hop, 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 hop. Yes. Petit pargo. Yes. Ouais. C'est une belle carpe rouge. Ouh, les dents que ça, dis donc. Là, t'as pas intérêt d'y mettre les doigts. Eh, hein. Hey, quand ça fait 50 kilos, t'imagines? Ouf, les dents, elles font combien? Elles font 5 cm. Ça. Quel beau poisson. C'est bon. Regardez, hein, ça.
Allez, on y va. On le remet à l'eau. Allez, ah, allez, vas-y mon bébé. Hop là. Bye bye. Oh, mira. Mucho lindo, mucho frío. Sí, sí. Hop, oh, Eric aussi est pendu. Oh là là, ça pend de tous les côtés. Bien. Ah, ça chante. C'est pas très gros, hein. C'est pas très gros, c'est un petit poisson. Un petit pargo. Mais bon, c'est sympathique quand même, ça démarre bien. Wow, si, c'est... Oh, c'est un petit... Qu'est-ce que c'est? C'est un petit coq, mon poulet, je crois. Non. Si, si, c'est un petit coq. Carangue? Ah, mackerel. Ah, c'est un... C'est... Macrocyra. Ouais, Macrocyra. Tu vas voir, c'est très joli, avec ses taches oranges. J'ai vraiment cru que c'était un coq quand il est passé sur le côté, tu sais, ça a la même couleur, regarde. Ah oui, là, c'est vrai, on le voit mieux, là. Voilà. Oui, c'est un joli poisson, quand même. Monte-le, 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 monte-le. Super. Ouais. Yeah. Magnifique. Regardez ce poisson. Regardez ce poisson avec ses taches jaunes, là. C'est magnifique, dis donc. Qu'est-ce que c'est comme poisson? Oh, mackerel. Sierra mackerel. Mackerel Sierra. Tu enlèves la meçon? Fais gaffe à tes doigts quand même. Hein. Une pince. Cherchez la pince. Regardez les dents qu'il a ce poisson. T'as eu de la chance, hein, regarde, il est bien piqué. Ah ben, et regarde le combat, il t'a pelé le bas de ligne, dit. Regardez la robe, tous ces points jaunes là, magnifique. Hein. Ouf, c'est des beaux poissons. Hein. Ouais, celui-là. On va le garder pour faire un petit carpaccio, non? Il paraît que c'est délicieux, j'en ai jamais goûté, moi. Excellent, excellent. Et Pascal, depuis tout à l'heure, il nous dit un carpaccio, c'est excellent, je pense qu'on va faire ça. On pourra confirmer ça, hein. Eh, voilà, exactement. Attention de tes pieds avec la maçon. Allez. Eric. Hop, hop. Ha, ha, c'est flou. C'est quoi? Oh, ça part dans tous les sens, c'est un coq. Oh, ah, que c'est beau. Tu vas voir, il va partir en travers. Superbe. Mira. Il n'est pas très gros, mais c'est le premier coq du séjour. Superbe, Flo. Flo, le premier coq du séjour. Oh là 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 là, quel départ. Wouh. Wow. Yes. Bravo. Hop là. Oh, quel beau poisson. Un poisson mythique sur le... Magnifique. Sur le Costa Rica. C'est toi qui prends le premier, bravo poulet. Et ça repart encore une fois, on se demande où ça va s'arrêter. Et t'as vu? T'as vu la défense de ça? Hop là, le saut, un mètre d'auteur. Salto arrière. Regarde dans l'eau. Joli galop. Bravo, bravo, bravo. On va remonter, attention. Et ils sondent maintenant. Après avoir sauté dans tous les sens, ils sondent. C'est pas incroyable ça? C'est un truc de malade. C'est un truc de dingue. Hein, c'est vraiment du poisson. C'est poisson de sport. De sport. Poisson de sport. Le poisson de sport du Costa Rica. Oh là là. Ça, c'est merveilleux. Ah. Oh là après, là. Tout à l'heure. C'est reparti pour un tour. La canne est pliée, dis donc. Il faut quand même avoir des cannes puissantes. Hein. Faut pas mégoter là. Parce que sinon. C'est un 10 kilos. Hein. Beau poisson. T'en fais rien. Ça, il le fait exprès pour me fatiguer. Ah ben oui, hein. C'est bien qu'il te fatigue. Je sais que tu as de l'endurance, toi. Plus il te fatiguera, moins tu pêcheras. Exactement, plus il y en aura pour nous. Ça ira très bien. Oh, ils sont encore. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Quelle vitalité. Quelle vitalité, dis donc. Encore. Hop, il remonte encore. Waouh, c'est superbe. Quel spectacle, regarde-le dans la lumière, là, si ça brille. Oh là. Et ça repart encore. Oh là, on croit que c'est bon et c'est jamais bon. Oh là, quel combattant. Il y a une défense extraordinaire. Superbe. Allez. Waouh. Oh là, il te reprend, oh là. Il te reprend 20 mètres, mais comme qui rigole. Oh là là, je te dis pas, j'ai le palpitant à 200. Hein. Et toi? T'as chaud, Flo?
il est bien. Et puis, et c'est sur ton popper. Gallo. Oh, oh, beau poisson. Bravo. Gallo. Bon. Quel beau poisson. Regarde ces couleurs et cette nageoire dorsale, c'est pas incroyable ça? Wow. Ah, ça y est, là, là je pense qu'il va monter à bord ce poisson. Yes. Yes, Flo. Oh là là. Super. Quel combat, Flo. Quel combat. Le premier du séjour. Que c'était bon. Que c'était bon. Mira. Flo, écoute, je viens avec toi pour l'immortaliser. Regardez ça. Cette dorsale. Regardez la dorsale, si c'est beau. Cette grande dorsale. Tu regardes les raies noires. Magnifique. Tu la, hey, la coda 6, là. 7 kilos. Combien? 7-8, il dit. 7-8. 7-8. Écoute. On le remet à l'eau vite fait. Allez, on le remet à l'eau. Allez. Vas-y. Fuerte, fuerte. Fuerte. Si, si, ok. Allez, vas-y. Et voilà, il est reparti. Bon. On le voit descendre. Oh là là. Penetra en la arboleda el café que tiene años bendiciendo nuestra tierra, caminando en el sendero, el café las manos llenas, campesinos van alegres, la cosecha está muy buena. Qué lindo coger café, estar en el cafetal, se miran las mariposas, los pajarillos con su cantar. Bien, viendo de changer de posta. On est tout près du rocher de Matapalo. C'est un rocher qui est pas très éloigné de la côte en fait, hein, puisque le golfito est juste derrière nous. Et c'est la sentinelle du golf. La sentinelle du golf, dit notre ami Pascal. Et depuis qu'on est arrivé là, ben, on enchaîne un peu touche sur touche, hein, départ sur départ. Et on espère qu'il y aura plein de poissons. Waouh! Qu'est-ce que c'est joli! Les raies, les raies. Regarde, regarde. Eh, les raies. Cabeza Mauri, Tintico, está. Bueno, está. Madurando el grano de oro, quedan verdes y pintones. Se dejan pa' que otro día lleguen los recolectores. Al comenzar ya la tarde, van dejando sus labores. Hombres valientes, felices trabajadores, caminando en el sendero, el café las manos llenas, campesinos van alegres, la cosecha está muy buena. Qué lindo coger poisson, café. Poisson, poisson. Bravo Flo, première descente du jig, belle pendu. Waouh. Ça c'est la technique que tu aimes un peu Flo, hein. Le jig, je te voyais ruminer depuis tout à l'heure en se disant qu'il n'y avait jamais assez de pompe pour y balancer un jig. Là, c'est fait, c'est bien fait même. Bravo. Allez, et quel poisson, il est superbe ce poisson. Ouh, il repart. Il est pas cuit encore. Très, très, très beau poisson. C'est un poisson qui a une sacrée défense. Yes, bravo. Yes, bravo Flo. Super. Et encore une nouvelle espèce en plus. Une nouvelle espèce. Superbe. Attention Flo, parce que j'ai l'impression que celui-là il a des épines partout. Hein. On va pas te faire mal. Hein. C'est quoi Pascal comme poisson? Pargororo. Pargororo. Tu n'en avais jamais attrapé? Non, nouvelle case. Encore une case remplie pour ce séjour. Regarde-moi ça si c'est chouette. On le relâche. T'as vu l'œil rouge qu'il a? Alors on le relâche Flo? Tu peux me passer la pince, regarde, elle est juste à côté. C'était tellement confiant dans la technique que tu prévois même la pince à l'avance. T'as bien fait, poulet. T'as bien fait, ça c'était bien vu. Ciao. Qué lindo coger café, estar en el cafetal. Se miran las mariposas, los pajarillos con su cantar. Yes. Allez.
Carpe rouge. Poisson. Carpe rouge, Yannick. Tu crois? Oh oui. Oh, j'aimerais bien, ce serait ma première. Allez. Ça y est, c'est bon, tu as décollé là. C'est super gros, mais ça tire décollé, bien quand même. Elle est décollée. C'est bien lourd. T'as vu comment elle a pris la roche au début? Ouais. C'était limite, hein. Ouais, d'ailleurs. Allez. Vous m'avez bien chambré, les gars. Allez. Oh. Pargo. Oh, joli. Regardez ça. Regardez les couleurs de ce poisson, dis donc. Ah ouais, il a deux fils dans la bouche, ce pargo. Allez, viens là, mon petit. Yes. Ah, pargo amarillo. Yes. C'est yes. Pas le même. Oh. C'est pas le même, c'est l'amarillo. Yes. Regardez la sardine dedans. Yes. Ah, mais c'est pas un gros, gros poisson, mais c'est un poisson qui fait plaisir. Regardez cette queue là, magnifique. Il y a des épines partout, c'est vraiment un très 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 beau poisson. Allez, je vais le remettre à l'eau. Eric, on tourne. Allez. Tiens. Alors toutes les demi-heures à peu près on tourne. Popper, vif popper, ça permet de ménager sa monture et de pouvoir pêcher toute la journée. Alors. Se miran las mariposas, los pajarillos con su cantar. 200 años atrás, Costa Rica vio nacer una linda tradición que da alegría y emoción. T'as vérifié ton frein, Flo? Oui, j'ai vérifié. Ouais, moi aussi, c'est Pascal qui m'avait préparé le frein. Alors moi, je vais le desserrer légèrement parce que Pascal, lui, il a un frein qui est vraiment beaucoup trop serré pour moi. Mais de toute façon, tu vas voir, quand tu popes, il faut pas que ça se desserre en fait. Il faut pas que tu entendes ton frein. C'est ça. Et là, Pascal, c'est vrai qu'il a l'habitude de pêcher. Après, selon ce que tu vois qui attaque ton popper, ouais, tu peux le resserrer. Un peu plus. Parce que là, quand même, ouais, il l'a serré. Le coq, moi, je te conseille de le desserrer un peu. Voilà. Une fois que tu as planté la maçon dans la bouche. Juste comme ça, là, ça devrait aller, tu vois. Mais il faut quand même avoir un frein vachement serré pour que si c'est une carpe rouge, tu puisses la contrer avant qu'elle redescende. C'est pour ça que je te dis, le poisson, tu le vois, toi, sur mon popper. Ouais. Campesinos van alegres, la cosecha está muy buena. Ouh, quelle belle gerbe d'eau. Poisson, poisson. Yes. Poisson. Ouh, ça a l'air joli, Pascal. Carpe rouge, hein, t'as réussi à la sortir du trou? Oui. Ouais, bien joué, poulet. Ah, c'est pas vilain poisson, non? C'est pas gros, mais... C'est pas mal. Ah, Eric qui dit carangue. Toi, carpe rouge, les paris sont engagés. Combien vous misez, les gars? Moi, je mise sur la canne, c'est une carangue. Moi, je mise sur la carangue. Toi aussi? Ah, bon, alors là, tu te dénies. Bah, je la vois. Ah, ben oui, effectivement. Carangue bleue. Oh, joli poisson. Belle carangue bleue. Magnifique. On n'avait pas pris encore. Oh, regarde. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli, ça. Ah, superbe. Une carangue bleue. Viens par là, Télégaré. Le plus beau poisson. Je vais te la prendre. Qu'est-ce qu'elle est jolie, dis donc. Ce bleu-là et ces petits points. Yes! Carangue bleue. Beau poisson! Yes! Regardez ça. Des belles couleurs pour cette carangue. Des petits points bleus, la dorsale bleue. Magnifique. Elle était bien piquée. Ah ouais. Par la lèvre supérieure, là, elle risquait pas de se décrocher. Superbe et poisson. Et c'est pas un gros poisson, mais et c'est. Eh oui, et avec c'est la piquette oui, assorti à la canne. Hein. Pascal fait pas les choses à moitié, il a sorti les poissons à la couleur de ses cannes. C'est bien. Allez, bon, allez, tout le monde se remet en pêche. Bye bye. Ça y est, tu l'as remis à l'eau, Pascal? Allez, regarde là. Yes. On vient de changer de poste, hein, puisque vous le voyez derrière moi, on est devant les magnifiques plages du Costa Rica. Ces mêmes plages aujourd'hui, on les pêche du large vers le bord, mais vous verrez que demain, on ira pêcher de la plage vers le large. Alors Pascal, on est venu chercher quel poisson sur ces plages? Ici, on va pêcher le poisson coq, hein. C'est essentiellement, c'est l'endroit des poissons coq, hein. Il n'y a pas de problème. Alors au niveau de pêche, on est quatre, on va mettre deux vifs,
deux pêches à la sardine, une avec un plomb et une sans plomb. D'accord. Et deux au popper. Donc on va essayer d'optimiser un petit peu notre après-midi de pêche. Varier et les on essaye techniques. Toutes les techniques. Toutes les techniques. Quelles sont les tailles moyennes qu'on peut capturer sur ces plages? Ici, les tailles moyennes, ils ne sont pas très gros sur les plages. En général, ils font 5 à 10 kilos. Mais il y a des gros. Mais il y a des. Non. 5 mais... à 10 kilos, déjà, non, mais... c'est quand même honorable. Non, il y a des gros. Il y a des 20, il y a des 25, il y a des 30 kilos. Voilà. Il y en a beaucoup plus que sur les rochers ou encore qu'on a déjà pêché. D'accord. Hein, où là, sur les rochers, c'est des gros. Ici, il y en a beaucoup plus, plus petits, mais d'accord, il y a aussi des gros. Allez, on y va. Allez, Pascal. Poisson ? Non ! Si ! Mouline ! Coq ! Un coq ! C'est le coq ? Oui ! Yes, poulet ! Ouais ! Ça, c'est bien ! Ouais ! Eh ouais ! Ouais ! Yes ! Ils sont minuscules ! Yes ! Ouais ! Yes, là ! Ouais ! Oh là, qu'est-ce qui sort de ce poisson, c'est incroyable. Attention. Oh. Allez, il est pas très gros celui-là. Allez, tiens, amène-le, va. Allez. Ouais. Encore un coup. Yervin, il est blindé de rire. Ouais. Allez, on va pas le faire. Souffrir plus que ça. Non, c'est ça. Allez. C'est un poisson qui se respecte. Yes. Un beau coq. Hop, décroché dans le bateau. Viens là. Hop. Là, je vais sécuriser. Encore un beau poisson, mon poulet. Je te fais la bise. Yes. C'est pas un gros poisson, mais qu'est-ce qu'il est joli. Cette crête-là, magnifique. Le poisson roi du Costa Rica. Waouh. Extra. Alors, celui-là, il est pas bien gros, hein. Quand on pêche, c'est ça. Dos libres, más o menos, dos libres. Mets des gants poulet, parce que ça glisse beaucoup, je vais te le donner. Vas-y. Qui devienne plus gros. Si allez, d'un coup. Hein. On le reprendra une autre fois. Allez, allez. Repars mon coco. Ciao. Ouais. Yes. Ouais. Ça suit. C'est quoi, des carangues, ouais, tu penses, hein? Ah, il l'a perdu. Regarde, il y a une carangue qui est venue à ton... Oui, 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 je l'ai vu, regarde, elle est encore là. Qui? Ah, allez, c'est reparti pour Flo. Yes, Flo! T'es, cette canne ne nous aura pas fait que des vifs, hein? Hein, Yannick? Ah! Cette canne ne nous aura pas fait faire que ouais, des vifs. Tu as raison, hein, cette canne, hein? On l'a pris pour le vif, finalement, hein? Elle nous aura été bien utile, hein? Qu'est-ce que tu as encore attrapé, Flo? C'est carangue. Une carangue? Je pense. On l'a retourné là. Ouais. Ouais, jolie petite carangue. Il y en a une autre en dessous, hein. Moi, je pensais que c'est la carangue qui suivait Eric, tu vois. Qui te l'a amorcé, toi, tu l'as pris. Jusqu'à présent, c'est moi qui faisais l'amorçoir. Et maintenant, c'est Eric. Chacun son tour. T'as vu derrière? Ouais, je vois, il y en a d'autres derrière. Cette canne, elle est pas mal, hein, au final. Cette canne-là, on a bien fait de la prendre, hein. Regarde ça, et ça tourne au fond. J'aime bien quand elles font ça là. Tu as pris au vif? Oui. Cette canne t'aura permis de tout faire aujourd'hui. Tout faire. Du jig, du vif. Ah, il faudrait pas que ce soit guère plus gros que ça quand même. Hein. Mais sinon là, le combat il risque de durer. Ouais. Mais là ça va. C'est un combat qui est correct, on va dire. Et voilà, elle arrive. Tu te charges de la récupérer? Oui, bien sûr. C'est quoi ça, Pascal, comme le caranga? La caninus. C'est la carangue. Yes. Yes. Yeah.
Bravo poulet. Bravo poulet. Encore un joli poisson. C'est pas des gros poissons, mais c'est des beaux poissons. Plus sûr du matériel fait, vous avez vu. Hein. Florent, il se fait plaisir hein, depuis ce matin. Ça y va, tu les enchaînes, hein, poulet. On s'amuse bien. C'est vrai, on s'amuse très très, on est là très, pour très ça. Bien. C'est l'équivalent de la Jack Travel, enfin. Oui. Mais c'est la variété pacifique. C'est d'accord. D'autres espèces. D'accord. Allez, j'enlève la leçon. Impeccable. Je te prends la canne, tu vas pouvoir la remettre à l'eau. Petit bisou. Ouais, petit bisou. Toi aussi. Mouah. Allez, vas-y. Yes. Et voilà. Yes. Elle repart super bien. Allez, génial, génial poulet. Super. Yes. Allez. On y retourne. Tiens, je te rate ton outil. Moi, je recommence à popper devant. Oui, amorce. J'amorce. Ah, c'est magnifique. Là. Qu'est-ce que c'est beau. T'as vu la pierre là-bas? Tortue. Hein? Là, il y a tortue et pierre. Ouais. Bien. On arrive sur ce nouveau poste. Hein. Alors, vous voyez des écueils juste sur la plage. On va rechercher le snook plus particulièrement. Irvine va approcher le bateau le plus près possible. Mais aujourd'hui, pas trop, puisqu'il y a quand même beaucoup de houle et ça risque d'être dangereux. On va lancer avec Floral une sardine vivante le plus près possible du bord. Il va reculer pour se sortir des écueils. On va laisser partir le fil le plus longtemps possible et on va attendre en espérant bien sûr capturer le snook. Dimé et Irvine. Ahora. Là, on recule doucement. Qu'est-ce que c'est beau. Pêcher dans des paysages aussi somptueux, c'est un paradis. C'est une pêche qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire en France. Hein. Ah non, ça du tout. Hein. Ça, c'est vraiment surprenant comme technique. Hein. Là, j'ai mon vif qui est complètement parti de travers. Aussi, c'est pareil. Avec le courant. Je l'avais jeté à gauche, je me retrouve à droite. Et, tout à fait. C'est le courant qui doit être très fort sous la surface de l'eau. Le ressac doit nous emmener. Ouais. Tiens, hop. Mon bip s'énerve de nouveau. Il va se passer quelque chose. Hop, c'est parti. Poisson. Yes. Poisson. Ouais. Oh Yannick, t'es pas bon, hein. Orphie de nouveau. Elle me mange toutes mes sardines. Ouh. C'est magique. Encore plus. Hein? Ah, il y a tortue et pierre. Oh putain, la tortue. Eric, on va tourner. Allez, on tourne. Allez, tu viens, Flo. Allez. Je vous laisse ça là, ici. Tu donnes-la à Jerry, ou à Irvine. Attention Pascal, parce que Irvine il voit des petites carpes rouges là devant, donc on va immanquablement y passer dessus. Oh, poisson pour Eric. Yes, bien joué Eric. Décroché. Non, il n'a pas décroché, il l'a encore. Oui.
Bravo Eric. Poisson aussi. C'est joli. Non, c'est un petit poisson. C'est un petit poisson et Florent aussi est fan du vin. Là, Florent, voir. C'est génial. Baliste. Sur... Un baliste, c'est encore une nouvelle espèce, dis donc. Allez, allez. Et Pascal aussi. Le bruit que ça fait. En fait, c'est ses nageoires qui claquent sur son corps qui fait ce bruit. Allez, on va vite le remettre à l'eau, ce petit. Hop là. Attention. Qu'est-ce que tu tiens, toi, mon poulet? Ah oui. Ah, c'est... Ah non, c'est un pargo. Regarde. Ouais, ouais. Yes. Allez. Joli poisson. Regardez. Je suis là, Pascal. Ah, tu as rouge. La même. Ah, la même, la même. Pargo, pargo, je sais plus le nom. Tiens-le, tiens-le. Non, wow. C'est le même. Ouais, ouais. Ouh. Ouh. Pargo Rockero. Viens ici, Flo. Attends, j'attends Pascal. C'est wow. Quand même le poisson de Pascal. Beau petit poisson, hein. Oh, ça, c'est un joli. Bien sympathique. Un joli petit doublé, alors. Ce qui est rigolo, c'est que Irving, qui était juste à l'avant, il nous dit, attention, attention, il y a des carpes rouges, il y a des carpes rouges. Je lui demande de quelle taille, il me dit, oh, 1 ou 2 livres maximum. Et voilà. J'appelle Pascal en lui disant, attention, Irving a vu les carpes rouges. Bim, bam, doublé de carpes rouges. Magnifique. Pargo Rockero. Ça, c'est un chouette truc. Wow. Bien joué. Bien joué, les gars. Superbe. C'est beau poisson, hein. Ouais, très joli. Regardez. Ouais, les ratounes que ça. Allez, on les remet à l'eau. Allez. Yes. Yes. Poulet, bravo. Yes. Et oui, je l'ai vu aussi, 2 fois il est passé derrière. Allez, je vais me prendre ce lancer là, je me prends un. Allez. Ah. Oui, voilà. Pendu. Yes. 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 Flo est pendu. Oui, je l'ai vu, il était derrière. Yes. Attention. Oui, il était venu sur mon pop. Il est deux. Il y en a plein, il y en a plein. Yes. Ça, c'est un moment terrible. Oh, il est beau. C'est un beau poisson, Flo. Ah, c'est bon. Bravo. Regarde, regarde, ouais, regarde. C'est bon. Il est beau. Il y en a deux énormes. Passe de mon côté. Chope-moi le baudrier. Demande à la... Pascal, à Pascal. Passe sur ma droite, poulet. Flo est pendu. Un superbe poisson coq et nous... On essaie, on a eu une chasse là, on essaie de faire monter les autres. Certains aux appâts et moi au pop. Et on, ça fait 2 fois qu'ils suivent sur mon pop. Alors que Flo est toujours aux prises avec son poisson, même oui. Si au départ il n'a pas fait un gros combat, mais là maintenant il est en train de lui prendre. Attention. De la ficelle en pagaille. Et on ne sait pas où c'est qu'il va s'arrêter, hein, celui-là. Derrière. Okay. Yes. Ça c'est beau. Ouf, montée d'adrénaline, Florent, ouais. Terrible. Hein, il repart. Repasse de l'autre côté peut-être, non? Regarde, regarde, regarde. Il t'a fait voir? Il m'a fait voir. Non, il n'a pas encore sauté, mais par contre, il te prend un paquet de fil. Hein. C'est un beau poisson, je crois. Ouais, 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 c'est un joli poisson. On a vu le flanc là. C'était vraiment un très, 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 très beau poisson. Mon Flo, ça c'est bon. Ouh, oh oui, c'est une planche. Hein. C'est une planche. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est une brave planche, poulet. Quel beau poisson. Il y en a un, c'est bien. Il est beau, il est beau. Quel beau poisson. Sacré poiscaille, hein. Il y en a un qui me fasse un saut pour voir la taille.
Ouais, moi aussi. Mais enfin, moi je l'ai vu là, j'ai vu vraiment son reflet, regarde ça. Et ça fait une belle planche. Hein. On le sort. Regarde ça s'il est beau. Oui. Wow, si, c'est un beau, beau, beau poisson. Voilà. Oh, c'est un très, 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 très beau poisson. Elvin, tu l'as visto? Quanto? Quanto? Te parece? Me parece como más o menos 20, 25. Libras? No. Kilo? Sí. Irvin? On pêche, non? Irvin nous annonce à 20, 25 kilos quand même. C'est le plus beau poc de ta vie. Puisque c'est ton second. Oh là là, regarde ça. Regarde ça s'il est beau. Oh là là. Il est splendide. On voit bien la nageoire dorsale, hein. Tu as vu ça? Oh là là, quel beau poisson. Il arrive ton poisson. Ah toi. Oh. Regarde cette nageoire, regarde la nageoire. Magnifique. C'est énorme ces poissons. Magnifique. C'est dingue. Los otros eran más grandes. Vous entendez ça, il dit que il y a les autres poissons qui suivaient et que j'ai continué à popper derrière toi et t'es encore plus gros que celui-là. Regarde, 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 il arrive, il va le garer. Allez, il monte à bord. Il monte à bord. Yes, il y est. Bravo. Il y est. Yes. Yes, Flo. Ah, Jerry. Superbe. Yes. Il est beau, putain. Oh là là, regardez ça, regardez ça. Okay. Yes. C'est pas beau ça, regardez cette crête. Cette crête de coque. On vient ici pour ça. Et oh là. C'est terrible, magnifique. Flo. Ce combat à livrer. Écoute, moi je prends un plaisir immense à te voir travailler ces poissons. C'est le deuxième que tu attrapes. Je prends un plaisir immense à les travailler. Et c'est énorme. Bravo mon poulet, bravo. Bravo. Bravo Irvin. Gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Allez, vas-y Florent. Il fait un bisou aussi. Allez, à la prochaine. Yes. Ouais. Yeah. Magnifique. Yes, oui. Yo soy de Centroamérica, Costa Rica. Playa, montaña y sol. ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, montaña y sol. Ay, aquí no hay ejército ni terrorista. Playa, montaña y sol. Eh bien, ça continue, c'est du rock fishing pour moi toujours. Hein. Un rock fishing, mais rock fishing quand même. Allez. Poisson. Alors, Pascal, c'est un joli poisson ou pas? Une caranga. Ah oui, c'est joli. Ah, c'est une caninus aussi. Ah, elle est belle quand même. Hein. Oh, c'est un joli poisson quand même, dis donc. Je t'aide, hein? Ouais. Allez. Allez. Et voilà. Ouh. C'est parti aussi. Oh, bravo. Ouais, Eric, super. Joli. Tellement, hein. C'est bien, Eric. Là, tu es sur une canne de fine en plus, tu sais. C'est une caranga, mon poulet. Et peut-être un coq, il est sorti de l'eau. Ah, peut-être un coq. Une grande. Eh, elle te donne du fil à retordre, celle-là. Elle te prend de la ficelle, comme dirait un cher ami. Elle doit être plus belle, je pense. Elle s'est plantée au fond, non. Non, elle est là, elle est là. Je pense que c'est un coq, moi, non. Je sais pas, hein, parce que le coq, c'est surprenant, en fait. Ce que disait Pascal, c'est que le coq pouvait avoir un coup la défense d'une carangue, d'une carpe rouge. Dans le même combat, il a plusieurs comportements différents. Caranga. C'est prendre la ficelle, hein. Oh là là. Non, elle remonte. Là, tu prends du fil en plus, c'est bien. Voilà, c'est bon, tu vas pouvoir faire le tour là. Impeccable. Les nuages passent sous le soleil, ça me fait un peu d'ombre. C'est quand même pas mal. Hein. Si. Il dit en fait que c'est la canne que je m'étais préparée. Si. Et chaque fois en fait que je prépare une canne, elle prend un poisson. Si. Allez. Chacun son tour, hein. Ouais, chacun son tour. Tu prends un mètre, elle en prend trois. Chacun son tour, hein. Si, là c'est bon, on dirait qu'elle commence à monter comme il faut.
Oh, cassé, mince ça. Tant pis mon poulet. Non, non, décrochez juste, regarde. Décrochez. Allez mon poulet, on y retourne. Y el tiquito mi friend, yo soy de Centroamérica, Costa Rica, playa, montaña y sol. ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, montaña. Oui, c'est un poulet. Oh! Il y a encore. Célèbre ce gol. Hey, mi tierra se vive feliz. Pregúntele a Chope o a Brian Ruiz. Pregúntele al Pato. Ah, poisson. Yes! Il y a poisson. Oh là là, quel festival ce Florent aujourd'hui. Gagne? Parece un gagne. On dirait que c'est un poisson comme Flo. Ah, vas-y, c'est ton poisson, mon poulet. La caña. Hombre, la caña. Ah, c'est un gros poisson, Flo. C'est un beau poisson. C'est un joli poisson. Hein. Par contre, les gars, vu que le vent se dérive vers là, il va pouvoir, je pense, passer dessous, là. Allez, attends, je lève. Alors là, c'est bon, là. Vas-y. Ah, elle plie bien cette petite canne de nouveau. Là j'ai eu peur. Là j'ai vu. Peut-être le fil était pris dans la nageoire. Ouais, certainement. Oh. Ça a l'air d'être un beau poisson, hein, de nouveau. Eh oui. Ouais, tu le laisses faire. De toute façon, là maintenant, il est accroché. Il va pas s'envoler. Théoriquement, oui. Beau poisson, je pense. Ah, c'est un beau poisson. Je vais t'aider à le mettre à bord. Je pense que tu vas pouvoir mettre ton gant. Allez. Je remonte mon vif. Ouh, il te reprend du fil de nouveau. Et de la ficelle. De la ficelle, on va dire. Ah, là, on a un paquet de touches. Hein. C'est incroyable. Hein. Ouh, joli. C'est qui doit être beau. Ouais, c'est un joli poisson. Ça doit être un beau poisson. C'est qui ce moulinet? C'est à moi. Ah, pardon. C'est le matériel que j'utilise habituellement. Ah. Ouais. Chaque fois que je touche une canne, ouais, elle prend du poisson. C'est particulier comme concept. Et le problème, c'est ça, c'est que, en fait, je touche les cannes, il prend la canne, il prend le poisson avec la canne que je viens de toucher, il ne m'a pas laissé le temps de pêcher. Et aujourd'hui, il m'a fait ça toute la journée, ça a été terrible. À chaque fois que tu prends 2-3 mètres, lui aussi. Il me la récupère. Ouais, chaque fois. J'ai l'impression que c'est le même comportement que le mien. Que le tien, un petit peu. Ça ressemble. Hein. Ça ressemble beaucoup à celui qu'a perdu Eric tout à l'heure. Tu as vu le poisson? Mais tout à l'heure, il disait que c'était une carangue, alors que là, ils sont quasiment sûrs que c'est un galop. Ouais. Alors, on va voir qui a raison. Ben moi, je pense que c'est un galop aussi. Le fameux poisson coq du Costa Rica. Cette petite canne, elle est sympa. Hein. Elle plie bien, là. L'action de la canne, elle est magnifique. Ouais, c'est superbe. Ah, il y a très, 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 très belle action. Ah, il est là. Oui. Ouh, il est beau. Hein. C'est un beau coq. Vraiment très joli. Hein. C'est un très beau coq. On va essayer de ne pas le perdre, celui-là. Ouais. On verra. D'abord, il n'est pas à bord encore. Non. Une fois qu'on aura fait la photo, on le dira. Tout à fait. Ah. Et il te donne vraiment du fil à retordre. Hein. Ils sont plus mordeurs cet après-midi. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est peut-être la marée, regarde, le rocher est bien découvert. Si, no tiene el hilo, la cola. Si. Quel beau poisson, regarde ça. Elle est plus petite que l'autre. En fait, Tirvin, il vient de nous dire qu'il ne faut pas toucher le bas de ligne parce qu'on est quand même monté assez léger et que j'essaie de vraiment prendre le poisson par la queue pour le hisser à bord. Hein. Là, il est là. Donc allez. Je peux juste attraper le bas de ligne. Wow. Yes! Oh! Super les gars! Yes! Ah Florent! Quel pêcheur ce Florent quand même, vous avez vu ça? Quand il y a un poisson qui traîne, il est pour lui. Tiens-lui le Qu'est-ce qu'il est beau ce poisson!
c'est le plus joli en couleur qu'on ait vu. Ça, c'est du bonheur. Donde el gringo quedó enamorado. Cuando vio lo que es la isla del coco. Qu'est-ce qui se passe, Flo? T'as un départ de nouveau? Moi, le mien, ça folle aussi, tienne de poisson. Alors, Flo? C'est parti? C'est parti? Poisson. Allez, poisson pour Flo. Oh, joli poisson. Cassé. Ah, oh là, non, là. Il y est encore. Ouh, ça fait un drôle de truc là. C'est plus costaud, non, on dirait? Allez, au on le voit pas là parce qu'on a des reflets. Ça va, c'est reflété, là. On a vu une surface le remous et regarde ça. Canne magique. C'est la canne d'Eric. Qui l'a mené, ça. Ça, c'est la canne d'Eric. C'est la mienne. C'est Smith. C'est une colle de chez Smith. Ah non, mon chat. Ouais, c'est magnifique. Combat formidable. Ouais, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on se sera régalé aujourd'hui? Il la regarde. Celui-là, il a des reflets morts, tu as vu? Ah, c'est les nuages qui font ça. Là c'est beau. Hop, viens ici mon poulet. Viens ici mon petit coq. Yes. Il est beau, hein? Yes. Oh là là, Flo. Magnifique. C'est génial. Regarde cette crête encore. Hein. Allez, je le décroche vite. Hein. Vas-y. Prends-moi la canne. Je te prends la canne. C'est bon pour la queue. Allez, c'est plus. Bon. On le remet à l'eau. Yes. Ouais. Yeah, yeah. Magnifique. Yes, plus. Quelle partie de pêche. Quelle partie de pêche. Donde nació Maribel y Vika. Verónica Basso también es Vika. Oh là là, ce Florent aujourd'hui. Il est en forme, hein. Florent est en grande forme. Il saute de canne en canne. Chaque fois qu'il saute d'une canne à une autre canne, eh bien, qu'est-ce qui se passe, hein? Eh bien, il prend un poisson avec, à tel point même que je lui ai confié ma canne 2 minutes pour aller chercher de l'eau à boire parce qu'on mourait de soif. J'étais pas encore à la glacière, ça faisait 10 minutes que j'étais là à attendre la touche, je la lui confie 2 secondes, crac, il a un départ. Ah, il est vraiment terrible aujourd'hui. Toi, je sais pas si on te reprendra, hein. Ça suffit maintenant. Et c'est quoi? Irvine a l'air de dire que c'est une carte rouge. Qu'est-ce que tu en penses, toi, mon poulet? C'est une grosse carangue. Ah, c'est une carangue. Oh, pas gros. Sérieux. Oh, une sérieule. Oh, joli, encore une espèce que on avait. Garde-le, toi. Allez, je te le garde. Non, je te le garde. C'est la bonita. C'est la bonita. Non, la bonita, je la tengo aquí. Gallo. Oh, gallo. La bonita, la bonita. Allez, encore une nouvelle espèce pour toi. Une sérieule. Et pendant que Flo prend sa sérieule, il y a une espèce de gros poisson coq qui vient de chasser des bonites grandes comme ça juste derrière nous. Jerry. Si, il a visto. Hey, t'as vu la bonite qui sautait devant? Le gaillot, il était énorme. Allez, Flo. Ouais, je l'enlâche. Allez, vas-y. Yes. Nickel. Yes. Bravo, Flo. Donde nació Maribel y Vika, Verónica Basso también es Tika, Neri Brenes nos identifica, ya y si llega la tarde tomamos café, lo hacen Eduardo y María José, lo hacen Carlos y Tijana también, y el tiquito mi friend, mi país se llama Costa Rica, donde nació Maribel y Vika, Verónica Basso también es Tika, Neri Brenes nos identifica, ya y si llega la tarde tomamos café, lo hacen Eduardo y María José.
papa.